Santé, mesdames et messieurs. Pouvais-je imaginer une seule seconde échapper à ce débat sur le destin et le hasard? Et vous? Oui, vous! Est-ce votre choix d'être dans cette salle? Et toi? Oui, toi, là-bas! Est-ce une coïncidence ou bien ta destinée de venir ici sur cette scène? Oui, toi avec les lunettes, approche sous les applaudissements! Encore plus fort, oui! Tentons ensemble de découvrir les méandres de cette controverse. Tu préfères le destin ou le hasard? Sans réfléchir, dis-moi au micro combien tu donnerais pour acheter cette veste. 100. Ah, avec des centimes? 100,20. 100,20. Regarde-moi. Ma veste te plaît, c'est cela? Veste de qualité, certes. Eh bien, je te laisse la facture de 100,20 €, c'est déjà cela. Je te laisse la vérifier, tu peux la regarder, vas-y. Quant à la veste, je ne peux point te la donner, oui. Elle n'est pas à moi. Elle pipe dans tous les magasins. Peux-tu lire le prix qu'il y a ici sur l'antivol? 100,20 €. 100,20 €. Est-ce là le hasard? Certes, une veste de qualité. Dis-moi, dans quel pays a été fabriquée cette veste? Brésil. Au Brésil? Donc d'après toi, cette jolie redingote aurait été fabriquée au Brésil. 248 possibilités, oui. Un peu chaud pour être porté au Brésil. Peux-tu plonger la main à l'intérieur, s'il te plaît? Déplie le morceau de tissu. Et si le hasard n'était qu'une illusion? On ne se connaît pas? Enfin, pas encore. On ne s'est jamais vu? Jamais. Et pourtant, tu engendres en moi de forts frémissements corporels. Véronique. C'est bien Véronique, ton prénom? Oui. C'est quoi ta fleur préférée? Ma fleur préférée? Oui. Le lys. Mais moi aussi! Il y en a qui va être jaloux là-bas. Hein? Désormais, nous ne faisons plus qu'un. Oui, comme le verre est à la soie. Et comme David Stone et Chardin. Situation fortuite, hein? C'est Mademoiselle Pomme, la dernière personne que j'ai fait venir ici sur cette chaise, Véronique. Elle est totalement amoureuse de moi. Depuis, elle est persuadée d'avoir un don de divination, un don de télépathie. Enfin, elle a la cafetière à l'envers. Hein. Dans ta main, parce que sinon, elle est pas commode. Hein. Oh, Zodiac. Zodiac. Ah oui, c'est ça. Elle veut lire dans tes pensées. Ah ben oui, c'est ça. Oui. Oui. Est-ce que tu peux penser à ton signe astrologique? Vas-y, pense. Oh-oh. J'adore faire ça. Transhypnotique divinatoire. Oui, ça sert à rien, mais j'aime bien. Elle a le bocal à l'envers un peu quand même. Hein. Elle a les moyens dans le cerveau. Une faille. Eh, une faille. Véronique, t'es du signe de la faille? Non. Ah non, t'es né en automne. Oui. Quel mois? Novembre. Oh, quel signe astrologique? Sagittaire. Sagittaire. Oh. Sagittaire. Peux-tu retourner le médaillon? Lis ce qu'il y a de gravé sur le médaillon. Sagittaire. C'est bien gravé? Oui. Oui. Oh. Sagittaire. Eh bien, je le savais, hein. Hein?
Je savais. Oui. Alors maintenant, tu préfères le destin ou le hasard? Le hasard. Le hasard. Véronique, 5 sacs. Et ici, peut-être le hasard, le clou. Mademoiselle Pomme a invité Véronique à venir juste à mes côtés. Véronique, regarde au loin et tend la main gauche comme ceci, oui. Ferme les yeux, ça picote, hein, faudrait pas aller plus loin. Continue à fermer les yeux et baisse la main, s'il te plaît. Pour ma part, j'ai toujours pensé que j'avais une bonne étoile. Il n'y a pas de hasard, il n'y aurait que des rendez-vous. Véronique, ouvre les yeux. Véronique, je t'invite à venir mélanger les sacs d'eau au public. Vas-y, viens ici. Oui. Et mélange. Mélange encore. Mélange. Et là, il n'y a plus rien à voir. Peux-tu numéroter les sacs de 1 à 5 dans l'ordre que tu veux? Vas-y, numérote. De 1 à 5. C'est parfait, Véronique. Viens juste ici à ma droite. Peux-tu me nommer avec ta main un chiffre? Le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5? Montre. Le 4. Mademoiselle Pomme, le 4. Oui, le 4. Ça va, Véronique? Le 4. Oui. J'ai toujours pensé que mon destin était totalement inévitable. Peux-tu me montrer, s'il te plaît, un autre chiffre avec ta main gauche? Celle-là. Le 2. Avec l'autre main, un autre numéro? Le 2 et le 1. Le 2 et le 1. Le destin, ça se tord. Ça se plie. Ça se brise. Ah oui. Véronique, peux-tu me montrer un dernier numéro? Le 3 ou le 5? Le 5. Allez à Jacques Thèse, comme disait Jules César. Les dés sont jetés. J'ai toujours eu confiance en toi. Véronique, être maître de ton destin, 42 153. Mais imaginais-tu un seul instant être maître d'une autre, 42 153.